telenovela est une série diffusée en soirée et de manière quotidienne dans les pays hispanophones et lusophones. C'est un mot-valise espagnol provenant de Televisión et Novela. Les telenovelas sont des feuilletons d'une moyenne de 200 épisodes, diffusés pendant 7 à 8 mois quotidiennement du lundi au vendredi, et ayant un suspense à chaque fin d'épisode pour donner envie de voir le prochain. Les telenovelas sont issues des feuilletons radiophoniques nés à Cuba dans les années 1930, et c'est 20 ans plus tard que les premières telenovelas télévisuelles sont apparues, avec notamment Suavidad me pertenece en 1948. Les premières telenovelas ne comptaient d'ailleurs qu'une vingtaine d'épisodes, durant entre 15 et 20 minutes, puis cela évolua dans les années 1990 en passant à 30 minutes, pour arriver de nos jours à une quarantaine de minutes. Ce genre de série a une mauvaise réputation en France, puisqu'elles sont jugées comme étant principalement des séries véhiculant des stéréotypes machistes. De plus, contrairement aux séries américaines, elles sont tournées avec de très faibles budgets et des décors très simplistes, ce qui se remarque très rapidement. La cause étant que les chaînes de télévision hispaniques doivent en produire énormément pour remplir leur grille des programmes, et de ce fait, il faut rogner sur toutes les dépenses. Les telenovelas peuvent aussi avoir des adaptations, comme Yo soy Betty, la Fea, qui a donné Ugly Betty aux États-Unis, et Le dessin de Lisa en Allemagne. Jane Virgin, quant à elle, est l'adaptation de la série éponyme vénézuélienne, mais modifiée à la sauce américaine. Enfin, il existe aussi des telenovelas françaises, comme Cut ou encore Foudre, toutes les deux produites par France Télévisions. Les telenovelas ne sont donc pas un genre de série à mettre de côté, bien au contraire. Certes, le public visé n'est pas forcément français ou américain, mais cela ne change en rien ses spécificités, qui attirent tout de même un bon nombre de téléspectateurs. Et voilà, vous savez à présent ce que signifie le mot telenovela. Rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle définition du monde sériel.